Je vais t'aimer jusqu'à la fin de ma vie. Aime-moi déjà jusqu'à la fin de la mienne. Je vous en supplie, il faut me croire, j'aimais votre fils. Qu'est-ce que ça fait d'être libre après une accusation de meurtre? Tu devrais implorer Dieu de sauver ton âme. Je devrais demander au diable de punir celui qui l'a assassiné. Tu n'as pas à me convaincre, je crois à ton innocence. Pourquoi essayer de me protéger? Parce que si je l'ai vraiment fait, je suis un monstre. De quoi j'ai l'air? Tu remarques rien d'inhabituel? Tu parles des cordes? Qu'est-ce que c'est? Vous savez ce que je pense qu'il faut faire? Je crois que je vais me prendre une dose d'oxycontine. On va se faire une petite ligne. Tout le monde devient dingue dans cette ville. C'est à cause de moi et ces putains de cordes. Tu as tué cette jeune fille innocente. Maintenant, le diable te réclame. Je ne l'ai pas tué, mon père. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens me disent des trucs que je veux pas entendre. Je suis vilaine. Je suis très vilaine. Je suis assez belle pour passer à la télé, pas vrai? Je dois découvrir qui a tué Mérine et lui faire avouer son crime. Je lui aurais jamais fait de mal. Dis-moi! Dis-moi tout ce qui s'est passé! Reconnaissez-vous que vous l'avez tué? Ce sera un super scoop pour moi. J'ai une idée. Vous vous foutez sur la gueule et le vainqueur aura mon interview exclusive. Pourquoi y a un serpent autour de ton cou? Je me suis fait un nouvel ami. Ce sont des cornes? De satanées cornes.